ce qui va se passer ici. Voilà les garants de la nation qui descendent. Hein. Tout honneur mérité à ce monsieur. Voilà le directeur général à Alinghetti qui est aussi là et pour saluer l'arrivée du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La RDC, hein, la République démocratique du Congo, est déterminée à mettre fin à l'impunité, à mettre fin à la corruption et lutter contre les détournements de deniers publics. C'est un processus. Il faut prendre beaucoup de temps. Beaucoup de temps, le chef de l'État qui est ovationné par le public et qui est présent ici au niveau de l'inspection générale des finances. Je ne suis pas seul pour cette retransmission en direct. J'ai à mes côtés mes collègues, mes confrères, pardon, de langue nationale, Godé Kabundi pour le Tshiluba et Mami Mambweni pour le Swahili, suivant l'hymne national, pour les Lingala. Pour parler justement de cette structure qui joue un rôle très important, surtout depuis l'accession à la magistrature suprême du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui, c'est bien lui, et qui a revalorisé le service de la valeur, pardon, de ce service ô combien important pour jouer les rôles un peu de l'OCC. Hein. L'OCC joue le rôle au niveau de l'importation de marchandises, mais l'inspection générale des finances joue le rôle de voir de près comment les choses se passent au niveau des différents services publics, à partir même du territoire national. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement ici présents, messieurs les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, mesdames et messieurs les inspecteurs des finances, distingués invités à vos titres et qualités respectives, permettez-nous de vous exprimer l'immense joie de l'ensemble du personnel de l'inspection générale des finances qui vous souhaite une chaleureuse bienvenue à l'occasion de votre visite à ses services de contrôle supérieur placés sous l'autorité directe du président de la République et ce, en dépit de vos agendas respectifs très chargés. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, cette visite est d'autant plus historique qu'elle est la première d'un chef d'État depuis la création de l'Inspection générale des finances le 15 septembre 1987. Elle témoigne aussi de la place prépondérante que votre autorité accorde
à la lutte contre les antivaleurs et l'impunité dans la gestion des finances publiques. Votre présence en ces lieux doit être perçue comme un message fort que votre autorité lance à l'endroit de tous les gestionnaires publics pour qu'ils s'imprègnent de la bonne gouvernance prônée par votre excellence et qui implique la redynamisation ainsi que la revitalisation de la fonction contrôle, et ce, à tous les niveaux de l'État. Aujourd'hui, dans notre pays, grâce à la lutte contre la corruption et l'impunité, qui constitue l'un des piliers importants de votre mandature, tous les gestionnaires, à tous les niveaux et sans exception, rendent compte. Sous le leadership de votre autorité, la République démocratique du Congo se met petit à petit sur l'orbite de la bonne gouvernance souhaitée par tous, y compris ses partenaires extérieurs. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, c'est ici l'occasion pour nous de rappeler et de relever les instructions données par votre autorité à l'Inspection générale des finances, à savoir, primo, l'Inspection générale des finances ne doit plus rester spectatrice devant les antivaleurs qui gangrènent la gestion publique depuis des années. Secondo, les conditions de travail des inspecteurs des finances doivent être améliorées. Faisant sienne ces instructions, l'ensemble du corps des inspecteurs de finances s'est pleinement investi avec patriotisme et abnégation dans la lutte implacable contre les antivaleurs dans la gestion des finances publiques congolaises. S'agissant des conditions de travail, la direction de l'Inspection générale des finances s'est employée à améliorer systématiquement la situation socio-professionnelle ainsi que le cadre de travail de l'ensemble de son personnel, et c'est grâce à l'appui ferme et sans faille de votre autorité. C'est dans ce contexte que s'insère la construction d'un amphithéâtre moderne d'une capacité de 120 places auquel l'ensemble du corps des inspecteurs des finances a décidé de dédier à votre auguste personne en reconnaissance de votre ferme détermination à implémenter la bonne gouvernance publique dans notre cher pays. C'est donc tout naturellement que cette œuvre, qui servira principalement aux formations permanentes des inspecteurs de finances, est dénommée Amphithéâtre Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous vous prierons. Donc, je disais donc, c'est donc tout naturellement que cette œuvre, qui servira principalement aux formations permanentes des inspecteurs de finances, est dénommée Amphithéâtre Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous vous prierons très respectueusement, votre autorité, de bien vouloir procéder à l'inauguration. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, fort de votre précieux soutien ainsi que celui des institutions de la République, permettez-nous de vous assurer de la détermination de l'ensemble du corps des inspecteurs des finances à tout mettre en œuvre pour barrer la route aux fossoyeurs des finances publiques, afin de permettre la matérialisation de la vision des peuples d'abord. Aussi,
rassurons-nous votre autorité d'accomplir ses devoirs sacrés avec loyauté, dévouement, fermeté, compétence, intégrité et professionnalisme. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement ici présents, Messieurs les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Mesdames et Messieurs les inspecteurs des finances, distingués invités en vos titres et qualités respectives, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse son président de la République en lui accordant force, santé et protection, que Dieu bénisse l'inspection générale des finances, que vive la bonne gouvernance en République démocratique du Congo. Au nom de l'ensemble du personnel de l'inspection générale des finances, nous vous disons grand merci. Il a raison, sincèrement, l'inspecteur général des finances, de dire grand merci au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Godé Kabundi. Nous allons convier l'assistance à suivre les vidéos des messages de sensibilisation sur la bonne gouvernance. Gilles Alingeti, Yejumikala, Olombola, IGF, Mundo Maritume de Congo démocratique, IGF, Mukala, Mumonchin. IGF, Jumikala, Chibambal. Amen. Merci Jésus. Amen. Félicitations.
C'est moi, MP! Donne-moi la carte de sous-sous, ma
qui compte en vous. L'organisation, le paiement des salaires et puis vos agents, alors que l'État a donné les moyens. Vous avez utilisé l'argent de l'État pour vos intérêts personnels. Je suis hospitalisé. Vous êtes pas fait. Un message très édifiant. Excellences, Monsieur le Président de la République, le protocole vous invite à procéder à l'inauguration de l'amphithéâtre Félix-Antoine Tshisekedi. Vont accompagner le Président de la République les personnalités qui sont de la tribune centrale. Les restes garderont leur place. Nous les inviterons car l'entrée est exiguë. Biakalumba nje bene mujimu bidubi kala kabai bafila nansha bionswe bimbo kuleje ababa jikabai bananga bwase bene mujimu bambula mataji bapeta lupetu nansha kumuno mshindo wakubaleja chilejelo nanku mwadi tunga Félix Antoine Tshisekedi chilo nous allons continuer à suivre le message de la bonne gouvernance wakumuno mwakubanjija
Nzobumune na wa mayuki ujumuenza mulupangu lwa IGF ujumuikala ni miaba ya kusomba bitokulukama ni makumi abidi ni mungkachi mwajikosa ja mukaba Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ntombolo kaladifa jimbele mchina mwakufambu kaboya tanda kalombibu watu jini mwenda mchaji mwa mijimu milenga ijimuikala wenda kama ditu mwenda kongo demokratik kachia wa mwana mwakwa angtabu kalengebu bajanu mujenze mijimu mine na mujia sanzubu mujia kasha janjila ni mujenze bintu bibigengela buwase jitu mwenda kongo demokratik wa mbuji kalamba kajimuko samukaba wakapeshi Jules Alingeti ye ujumuikala ulombo la IGF ni wa mwana mshindu wakule mwabewu mwaba mwakana mujala mwakula benza mayuki uchikondo ni chikondo ni pata wakulapa ujini chakubwe muzubu mwina mwana mwakujitangijile hii ni ndabiji benda ba mwuvuisha pakaba ni kaba konsu chitubika la benza walo mbini kajina jase afi teatre Felix Antoine Tshisekedi Chilombo njina jende ya jijika la ba mpesha mwaku mpesha lumu ni mbu chilamba cha mwabu jubika la ba funda jina jenda ni bateka mchifwa nchenda mwaku jadika buwase mchikondu chonsu ilibantu barabu wakwenza mayuki mwabeu bikala mwaku manye buwase mbilonde shela kubuko keshibuenda kulunge nyiluenda mwalu buwase IGF mwenza mchini mchachinu nuka machitema ni mwaku mwanda mkulu ni mwanda mteketa kadiku bangile kuchine chikondu achi toni pinjewu kakwe ni mtu nashumwa uvumu manye mwakuteka IGF mwaba wenda mwaku mpesha mwaku keshi alimika la kengejibwa buwase amuna mwakwenza mwaku kubweje lupetu mujifwete jambula mataji mujubi kengele nash kajiba alukupeta mchikondu cha mwenju wa mujimu wakala ndamu sengi mumanyi wa mujimu mumanyi mundampanyima Felix Antoine Tshisekedi Chilombo wa mshindo kubwa peshe makokeshi asebenza mujimu kwa kubweje lupetu mujimu cha kwenye tanalu mujimu mujitu ngadia Kongo Demokratiki. Très chers téléspectateurs, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, retenez que nous sommes bel et bien à l'inspection générale des finances où le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, vient de procéder à l'inauguration de l'amphithéâtre qui porte son nom, hein, Félix Tshisekedi Chilombo, l'amphithéâtre. Félix Antoine Tshisekedi Chilombo est composé de 5 compartiments, les halls d'entrée où se trouve le buste du chef de l'État et quelques œuvres d'art. Les halls sera se trouvent pour le repos des invités, un bureau pour la logistique qui accueille 120 tous les meubles qui composent des réunions très la défense expliquer l'opportunité de cette salle des réunions, les matériels, donc les meubles fabriqués par le bois massif appelé Afromosia qui proviennent de province de l'Équateur, de la province de la Chopo. C'est bien l'entreprise Sogiref SAL qui a effectué les travaux et fabriqué et tous les 100% dirigés par un jeune Congolais. Voilà les chefs de l'État qui prend confortablement place hein, dans cette grande salle, l'amphithéâtre qui porte son nom, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Voilà, à ses côtés, l'inspecteur général. Ça doit être l'homme le plus heureux, hein, à monsieur Alingeti aujourd'hui. Appuyez pas, mais vous n'allez pas me contredire. Le président place sa confiance en cette personne qui, dès le début de son mandat, a déjà prouvé de quoi est capable l'inspection générale des finances. C'est un peu à l'instar à l'époque de monsieur Kazumba. Et aujourd'hui, nous avons Alingeti qui fait très bien son travail. Oui, merci l'excellent Blaise Bokokia. Comme vient de le dire, l'inspecteur général Jules Alingeti a commencé ici depuis 1988 et il a été recruté par, une année après la création de l'IGF, recruté par l'inspecteur général Kazuma, qui a mis également le président Mobutu mal à l'aise à l'époque. Il tenait à la bonne gestion et à la bonne gouvernance des finances publiques. Et grâce au chef de l'État et sous son impulsion que M. Jules, avec toute son équipe, arrive à faire un travail de titan, un travail de qualité aujourd'hui, qui, il faut le dire, les effets sont positifs. Il y a mobilisation des recettes, il y a encadrement de toutes les régimes. Il y a également un contrôle, parce qu'en fait, il faut dire qu'il y a trois sortes de contrôles. Il y a les contrôles a priori, il y a les contrôles concomitants et les contrôles a posteriori. Lorsqu'on a constaté avec les premiers contrôles qu'on venait observer, vivre les dégâts, il fallait contrôler et transférer ces gens-là à la justice.
avec, sous l'impulsion du chef de l'État, l'inspecteur général des finances de la Linguété. Voilà, c'est la régie de la salle de l'amphithéâtre, la régie est là. C'est un peu comme la régie de la RTNC, à l'instar de toutes les chaînes hein, des télévisions du monde. Hein, il y a cette régie-là qui contrôle tout avec des caméras robotisées, numériques. Et c'est dans la grande salle où se trouve présentement le chef de l'État, le garant de la nation, garant du bon fonctionnement des institutions de la République démocratique du Congo. Oui. C'est le maître d'ouvrage. C'est lui qui a réalisé cette salle. Monsieur Luc, oui. Papy Luc, oui. il a construit ceci avec les produits locaux. C'est ce que je venais d'expliquer. Et c'est la société SOGRF, hein, SARL, oui. qui a bâtiment. D'un fils de ce pays, un Congolais. Tout ça, c'est du Congo. Produit Congo. Merci à vous. Ne partez pas encore. Hein. Il est temps de donner la parole à Mamie Mambouini. Matundo mingi blesse beaucoup kia ndenge bozali kolanda na bilili mokambi ekolo asilaki bongo kokata elamba po ya ndako ya makita to pe amphithéâtre oyo bapesi kombo ya mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo boyeba ete IGF ezali bongo yango ekelama uta moboko tokokama libwa na tuku mwambela sambo kasi uta bakela yango tata mokonzi ya yambo ya kotia makolo maye okati ya IGF ezali bongo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tina ena mokambi ya IGF Jules Alingeti atondi motondi na tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pamba te azali mokambi ya yambo kokota kati na oesika yango ayebi sete ya solo na mosala oyo bango bazali kosala na banzi bato banso bayebi IGF soki IGF ekomi kati na kompani kompani kitunga banso to pe bamiyibi bebatiaka maboko osanduku ya leta bango bakomaka